Saint-Germain. Donc, vous pouvez descendre jusqu'au quai. Elle est très très belle, très très grande. On dirait comment, une décoration de Star Wars, un petit peu les triangles métalliques, là, tout ça, c'est vraiment sympa. La hauteur de cette station, c'est impressionnant. La lumière, les formes géométriques, l'architecture, c'est contemporain, super, presque futuriste. Vraiment très aéré, lumineux, joli, on va dire. Eh bien, nous découvrons cet après-midi avec les habitants du quartier, cette station Saint-Germain. Nous découvrons aussi un moment festif sur la place Saint-Germain qui, après plusieurs années de travaux qui ont nécessité beaucoup de patience pour les commerçants et les riverains, a désormais trouver un nouveau visage. Nous, on est riverains, on habite sur la place et donc on a vécu les travaux pendant pas mal d'années. Et là, on est très impressionnés en fait de la finition. Enfin, c'est magnifique en fait comme station. La mise en service commerciale du métro est prévue pour le mois de mai, pour la fin mai. Vous voyez que tout est prêt, les quais sont prêts, les stations sont prêtes, les portiques fonctionnent et puis il y a des essais très nombreux pour le calage technique, pour qu'à la mise en service, tout fonctionne au mieux. Et ça prend un temps relativement incompressible. Rendez-vous fin mai avec grand plaisir. Merci.